Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans le premier épisode de Fallout 4. Donc on va aller vérifier pour voir s'il n'y a pas une mise à jour, des fois que, sait-on jamais. Il y a eu quelque chose qui nous permet de nous déplacer comme nous le souhaitons dans le mode. Bah non, toujours pas. Eh bah écoutez, continuez. Sauvegarde rapide et on reprend. Il est beau, hein. L'éventreur, donc. Faudra vraiment qu'on aille voir exactement ce qu'il en retourne. Bon, on m'a conseillé quand même malgré tout de augmenter mes dégâts vis-à-vis des perks. Parce que là apparemment je monte beaucoup trop de niveaux sans trop augmenter des dégâts de mes armes via ces fameuses perks qui sont quand même assez efficaces. Donc je parle bien sûr des perks, hein, au niveau de l'augmentation, des qualités d'augmentation qu'elles peuvent donner. Alors attendez, il doit y avoir un problème au niveau de mon casque, voilà. Ça fait un peu plus de son. Vous avez rien de mieux à faire? Ouais, c'est bon, vous vous calmez? Mademoiselle. Pas mal, votre pipe. Alors, c'est quoi ça encore? Est-ce que ça veut dire que je suis en manque ou quelque chose comme ça? Afficher les effets. Q. Maladie de ratope. PV moins 10. Oh! Je suis malade! Nouveau numéro de Public Occurrences. De l'abri. Docteur ? Un point de vue extérieur sur le Commonwealth. Si vous avez besoin d'une prescription, j'ai tout ce qu'il faut. Tant mieux. Mental, le docteur n'est pas là. Je ne vous connais pas. Jet, tout ce qui peut vous faire du bien. Bon. Et niveau quête, on doit faire quoi en ce moment ? Allez voir le capitaine. La sauterelle dorée. Allez, on va aller voir ça. Je sais bien que c'est dans une zone dont je ne veux pas entendre parler pour l'instant, mais bon, c'est pas trop loin de Cabot House. On devrait pouvoir trouver des choses intéressantes. Normalement. Hop. Je modifie légèrement mon setup. Voilà. C'est du bordel, hein, avec le, entre le volant, le baby test, le joystick. Parce que si vous saviez le bordel que c'est à réinstaller derrière le volant. Enfin bon. Cessons de nous plaindre. Le robot Miss Nanny a été créé par General Atomic International pour devenir l'équivalent féminin du Mr. Andy. En tant que tel, il est équipé des mêmes armements intégrés. Donc j'imagine que c'est comme Curie. Alors apparemment, c'est par là. Des fois qu'on se fasse agresser. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas nettoyé la ville. Oh. Il faut vraiment être stupide pour ne pas réussir à bouger. Ah. Ça tire ouais de chez, du côté de chez la Cabot House. Oh le pauvre! Oh le pauvre! Il a pris tellement cher! Oula, bon, apparemment c'est pas par là que je vais aller pour me déplacer. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ça c'est moche. Voilà. Je corrige le monde, moi, chers amis. Eh oui. Ce canigou commence royalement à me faire chier, par contre, à vouloir me passer tout le temps devant le nez. Le fameux bateau, il est là-bas. Le fameux point qu'on cherche, il est là. Oh merde. Il y avait un cimetière. De toute façon, je peux pas faire mieux.
Allez. Hop. Hop. Y a plus rien. Ah, ça c'est marrant ça. C'est des pillards. Bon attendez, y'a Kanigou qui me fait chier. Qu'est-ce que c'est? Tombe de Shem. Ah oui, oui c'est con, c'est... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, on le déterre. Oh putain, on l'exhume carrément. Ça va être une goule. À tous les coups, il va sortir en goule. Non? Oui? Non? Oui? Non? Ah non, il sortira pas en goule. Épée de Shem Drone. Ouh! Prendre. Ouais! Elle est sublime! Aucune crainte. N'ayez crainte, même si cette lame est forgée dans l'acier du diable, seul celui qui la brandit peut en faire l'instrument du mal. Drone. Oh, c'est joli. Lingot de cuivre, lingot d'argent, lingot d'or, lingot de cuivre, lingot de cuivre, lingot d'argent, le crâne de Drone. Je le prends. C'est tout ce qu'il fallait faire? C'est tout ce qu'il fallait faire. Bon. Bon, 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 bah écoutez, on va aller voir le bateau. Le dernier voyage de l'USS Constitution. Je vais équiper l'épée quand même. Alors, hop, on va la mettre en 7. Je sais plus ce que j'avais en 7 à l'époque. Oh oh! Ça y est, on est dans Skyrim. On est complètement dans Skyrim. Oh, vous avez vu les escaliers là? Allons-y, 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 allons-y. Non, il n'y avait pas des bandits tout à l'heure. Oh. Ah oui, la fameuse salle de boxe. Si on est en close quarter, je préfère avoir le double tap. Double tap radium. Salut Kanigou. C'est rien ça. Qu'est-ce que... Kanigou en douceur. Bah alors, t'as dû prendre un mauvais coup sur la tête. C'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Kanigou, salut. Alors c'est marrant, parce qu'il y a quand même véritablement un passage ici. Hein. D'accord, hein, regardez, c'est plein de plaques. Il est censé y avoir un passage, alors à moins que c'est par là. Ok. Donc là on a fait le tour en fait. Ou alors c'est une mission en rapport avec les antennes. Ah bah non, en fait c'est simplement un moyen de monter en fait par là. D'accord. Ok, capté, pigé, compris. Tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez.
Hop. On a quand même une bonne vue sur toute la merde qui pourrait potentiellement y avoir. Oh merde, il y a Kanigou qui a dû sauter quelque part. C'est con Kanigou, hein. Bon, nous faudrait qu'on traverse et qu'on aille là-bas. Hop. Ah mais je m'en rappelle de cet endroit-là. C'est là qu'on a vu un petit fight. Quand je dis petit, tout est relatif, hein. Fruits mutants. Pas grave. Là-bas, il doit y avoir moyen de passer. Ah bah, comme ça. Ok. Vite. Vite. Sors, sors de l'eau. Sors de l'eau, mon dieu. Ça y est. Oula. Davies. Intéressant. Bonjour. Vous êtes sur notre territoire. Cassez-vous. Excusez-moi. On n'a plus besoin de mercenaires. Merci. Vous allez vous barrer, oui. J'espère qu'on va bientôt toucher le magot. J'espère qu'on va bientôt toucher le magot. D'accord. Toucher le magot. Quelque chose qui me dérange chez eux. J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à... Oui, quelque chose à cacher, on peut le dire. Hein. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ils m'intriguent ces deux-là. Remontons d'un niveau. Ils parlent comme des pirates. À côté d'un bateau. C'est ça qui m'intrigue en fait. Ah, personne ne m'a vu. Vous avez entendu ? Quoi ? C'est parce que je les ai volés ? On a un souci. What? Fais chier. C'est putain de... Pourquoi ils m'attaquent? C'est parce que je les ai volés apparemment. Bah, c'est pas ce que je voulais, hein. Donc je vais pas m'occuper d'eux. J'ai pas envie qu'ils m'attaquent. Ok, un endroit très particulier encore une fois. Ouais. Il y a une cave. Oh. Oh. Bah merde, je m'attendais à un truc vraiment intéressant, mais pas juste ça en fait. Hop. Merde. J'aurais dû sortir le shotgun plus tôt, il aurait pu y avoir une goule là-dedans. De l'eau de vie, Bobrov. Alors, bonjour. Rien. Dommage. C'était de l'eau de vie, Bobrov. Ouais, ouais, ouais. Ça va être mignon là-dedans, hein, quand on va être dans le... Dans le bateau, je veux dire. Finalement, je sens la faction dans le bateau. À vrai dire. Ok. Ok. Hello. Et c'est littéralement... Soldat, l'ennemi est tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Ah oui. La seule ombre que je vois, c'est la tienne. Oh non, ils ont déjà tout vidé. T'es sérieux? J'ai oublié de faire les caisses, c'est con. Personne dans les chiottes. Il
Une table, une table. J'ai fait redescendre, pardon. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant par là? Rien. Hop. Bon, bah on monte, hein. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dilate la rate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh, oui, on rit dans la piraterie. La vie d'un pirate à bord d'une frégate, elle tombe toujours à l'eau. Dans les omoplates, un bon coup de couteau, on ne fait pas de vieux os sur les os. Oh, sur les os, on ne fait pas de vieux os. C'est con ce qui t'arrive là, mon grand. Mais ensuite, je suis censé aller où? Ah là, USS Constitution. D'accord. Alors. Hop. Donc là, c'est la sortie. Donc par là, il doit y avoir des choses. Alors. Alors. Oh. Ouais, mais voilà, je suis détecté. Ah oui, je suis bien détecté en plus, hein. D'accord, donc là c'est bloqué. C'est votre capitaine qui vous parle. Nous allons accueillir un soldat allié à bord. Videz le poste d'amarrage. Désarmez les stations de défense. Faites place. Oh, j'aime bien comment il s'exprime. Alerte. Cycle de maintenance en retard. Bonjour. Je défends le Constitution. En patrouille. En patrouille. Vous avez remarqué? Tous les PC sont éteints, cassés ou morts. Voyez? Voyez? Là, devant aussi. J'ai l'impression que toute l'électronique est morte. Je vais vérifier, hein, mais... Ouais, rien d'intéressant vraiment. Bon. Ouais. Aspirant Bessé-Bosa. J'ai dit Bessé-Bosa. Ce soldat est notre hôte. Je vous prie de l'accueillir avec toute la courtoisie d'ici. Alerte. Cycle de maintenance en retard. Ouais, vous voyez, regardez, il n'y a aucun appareil électronique qui fonctionne. La vieille mécanique, il y en a partout, mais de l'appareil électronique, il n'y en a pas. Oh, un établi. Ah non, même pas. Ou alors c'est que je n'y ai pas encore assez parce que j'ai pas encore parlé au capitaine. C'est possible aussi. Vous voyez toute l'électronique, elle est cassée. Qu'est-ce que c'est? D'accord, vous voyez encore un PC. Toute l'électronique est pétée. Hop, bah on monte. Alors. Encore de l'électronique cassée. Encore. Encore du non fonctionnel. Signaler intrusion non autorisée. Je répète, intrusion non autorisée. Mister Commandant en second, c'est votre capitaine qui vous parle. Mister Commandant en second, c'est votre capitaine qui vous parle. Demande permission d'employer la force létale. Me quoi? Tuer. Tu veux me tuer? Affirmatif. Baissez votre arme. C'est un ordre. Et pour l'amour de Dieu, utilisez l'accent. Oui, mon capitaine. Je baisse mon arme. Fin commandant. Merci. Maître d'équipage. C'est un honneur de faire partie de l'équipage de ce vaisseau historique. Ah, il me plaît celui-là. Depuis le pont supérieur, on peut voir d'autres robots du Commonwealth flotter sur un océan de détritus. Ils sont apathiques. Ils errent sans but. Mais pas nous. Oh. Alors, je voulais aller voir le fusil d'assaut que nous avions modifié. Culasse standard. On peut aller sur une culasse avancée, hein, le rang 4, mais on l'a pas le rang 4. C'est peut-être ce qu'on visera.
Un canon long. Canon ventilé. Fin du combat. Bon, on partira donc sur un canon ventilé, je pense. Une crosse. Un compensateur de recul. Clairement. Chargeur standard, chargeur tambour à éjection rapide. Viseur standard, oui, donc ça, viseur standard, on pourra partir là-dessus. Sans bouche, on a un silencieux, ouais. Portier médiocre. Ou un simple compensateur, ça pourra, on pourra voir ça. Oui, on ira voir ça. Tout à l'heure. Apparemment, j'ai le droit de le déverrouiller. Ah non. J'ai pas le droit de la déverrouiller. C'est marrant ça. C'est un honneur de faire partie de l'équipage de ce vaisseau historique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les quartiers du capitaine en fait. Ouais, alors je serais curieux de savoir si je peux devenir leur capitaine. Une armée de robots à mes ordres. Domaine d'un livre vous appartient, qui vous appartient à vous lorsque ou que l'on vous loue, vous confère le bonus report réparateur qui augmente les points d'expérience que vous gagnez pendant un temps limité. Intéressant, intéressant. Alors. Bonjour. Cycle de maintenance en retard. Oh. Anyway, qu'est-ce que tu as trouvé? Ah oui, effectivement. Bien vu, Kenigou. Bien vu. Hop. Bonjour. Ne jouez pas au plus malin avec moi, Mister Navigateur. Demandez à la vigie de scruter la zone à 2000 sur bâbord avant. Et plus vite que ça. Oui, mon capitaine. Bonjour. Capitaine. Ne jouez pas au plus malin avec moi, Mister Navigateur. Demandez à la vigie de scruter la zone à 2000 sur bâbord avant. Et plus vite que ça. Oui, mon capitaine. Notre soldat est là. Toutes mes excuses pour mon commandant en second. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un de l'armée du Congrès. Merci. Merci de l'avoir rappelé à l'ordre. Mes analyses indiquent que vous avez tous vos membres et que vos organes sont intacts. Tout va bien. Merci. Je suis le capitaine Ironsides, commandant de l'USS Constitution. J'aurais aimé vous montrer mon fameux trois-mâts au sommet de sa gloire, mais il a essuyé plus d'une tempête. Maudit soit l'ouragan atomique qu'il a projeté sur ce perchoir il y a des années. C'est fâcheux. Vous êtes en fâcheuse position, c'est sûr. Ce qui me chauffe vraiment les processeurs, c'est d'être incapable de participer à l'effort de guerre. Mes artilleurs n'ont rien d'autre que Ratoup et hors-la-loi à se mettre sous la dent. Mais cessons là ces bavardages. Le Constitution a quelques avaries à réparer s'il veut reprendre sa mission un jour. Il me plaît. On va t'aider, sans récompense. Oui, il y a des enfants à qui je demande de l'argent et eux, je leur demande pas. Ils vous donneront vos instructions. Vous pouvez disposer. Merci. Poste, messieurs. Pilleurs d'épaves en vue. Soldats, manœuvrez les canons. Tirez avec les canons. Tuez qu'en dernier recours. Casse-toi. Quelques coups de semonce suffisent généralement. Les canons sont prêts. Feu à volonté. Lancez à vos tourelles. Montrez-leur de canon. Wouhou. La loi et l'ordre ont été rétablis. Sans déconner. N'essayez plus. Une victoire de boum. Je dis que je ne suis pas seul. Boum! Où est-il? Là, ça va saigner. Ok. Merde, je le voyais pas. Chier. Continuez à tirer, soldat. Mais tu vas crever, oui? C'est bon. Où sont-ils? Un geste. C'est fini pour toi, enfoiré. Baissez vos armes et soumettez vos... Appelez. Balancez-leur une bonne bordée, soldats. Vous pourrez pas éclairer par là-bas?
Aïe. Hop là. Il en reste encore un. Quand ces villes maraudeurs cesseront-ils de nous importuner ? Ah la vache ! Oui, je l'ai eu ! Haha ! Tu peux fuir autant que tu le veux. Ils ont hissé pavillon blanc. Bon travail, messieurs. Merci. Alors, c'est quoi la suite ? Parler à Mister Maître d'équipage et Mister Navigateur. Ouh, ils me plaisent ceux-là. Oh, que je les aime ceux-là. Oh, nom de Dieu. USS Constitution. Non, franchement, ils me plaisent. Hein. Oh putain. C'est pas des synthétiques, mais je sens que j'ai bien apprécié les robots. Je crois qu'en fait, les robots, je vais attention, pas les emmerder. Citoyen, vous pouvez maintenant. Et les humains, je vais leur demander des thunes. Habituelle. Votre bonjour. Seule présence ici est un honneur sans borne pour cet humble. Oh, mais regardez-moi comme il est gentil. Que de ne point proclamer ceci. Longue vie au capitaine. Robot éloquent. J'ai rarement vu un robot aussi éloquent. Mille merci pour le compliment. Mais passons plutôt aux détails de la mission du jour, si vous le voulez bien. Je t'en prie. Notre dernière expédition maritime est revenue avec moult trésors de guerre, monsieur, dont des câbles électriques de remplacement. Hélas, comme vous le voyez, je manque cruellement d'appendices. Oui, il a pas de bras, il est manchot. De réparer ces câbles moi-même. Enfin, c'est un homme tronc, quoi. Oh, je vais m'aider. Je vais m'y mettre tout de suite. Les cycles d'horloge de mes émulateurs d'anxiété ralentissent de microsecondes en microsecondes. Ah, c'est mignon. Et votre mission couronnée de l'infaillible succès auquel elle est destinée. Ah, putain, mais il me plaît. Je vous conjure de venir. C'est du léchage, mais c'est génial. Afin que je puisse vous exprimer ma plus sincère gratitude. Ah, mais bien sûr. Le plaisir sera pour moi. Réparer ou remplacer des câbles électriques. Hop. Eh ben écoute, on y va. Couvercle, ouvrir. Oh bah, eh. Récupérer les câbles électriques. Avant de l'utiliser pour remplacer les câbles électriques défectueux. Voilà. Où sont les autres, mon ami? J'en prie, dis-moi tout. Un peu plus bas, d'accord. Allons-y. Rien à signaler. Hop. Parfait. On referme. Eh bien, nous voilà. Avec une réussite complètement incroyable. On n'a même pas utilisé ces câbles. J'arrive, mon ami. Oh là. Je peux pas monter par ici. Où es-tu ? Ah. Patrouille. Te voilà. Je vais retrouver. Rien à signaler. Hop. Ah, maître d'équipage. Le sang de l'alimentation électrique coule à nouveau dans les veines du Constitution. Ouais. Ces systèmes, trop longtemps sevrés du très sain courant d'électrons, reviennent enfin à la vie. Hourra ! Veuillez recevoir, je vous prie, l'expression de mes félicitations distinctes. Néanmoins, ceci a mis en lumière de fâcheux dysfonctionnements dans le réseau d'alimentation. Mmh. Le réseau énergétique est en proie à des fluctuations alarmantes, je le crains. Et à ma plus grande honte, je m'en étais déjà plein ouvertement. Pourquoi avoir honte ? T'en as honte ? Très mauvais pour le moral des troupes, monsieur. En des temps troublés, je me suis parfois laissé aller à formuler toutes sortes de plaintes injustifiées à l'endroit du capitaine, de son commandement et du bien fondé de notre mission sacrée. Mais par bonheur, j'ai reconnu mes erreurs. Ah bah oui. Avec votre aide, si vous le voulez. J'aurais peut-être même une chance inespérée de me racheter. Les bobines de... Le capitaine, il est coincé. ...sont monnaie courante. Oserais-je vous recommander une simple visite aux boutiquiers locaux? Ils sauront sans doute vous aiguiller vers le produit adéquat. Que les vents vous soient favorables. Merci. Merci. Alors, réparer ou acheter? Mais écoute, on va aller voir si on peut pas les réparer. En patrouille. Je serais ravi de pouvoir te faire ça. Réparer la bobine endommagée. Vous coupez le courant et nettoyez adroitement la bobine. Vous réinsérez ensuite la bobine décapée avant de la remettre au courant. La tension est maintenant stable dans tout le navire. Ah, bah voilà, mon ami. En fait, le capitaine, il est bloqué en haut parce qu'il est sur roulette. Il passera jamais par ces escaliers. Salut, Mister Maître d'équipage.
L'alimentation électrique est stable et abondante. Je vous applaudirai volontiers, mais hélas, je ne suis pas équipé des appendicinois. Mais je vous dis hurra, monsieur, et hurra de rechette. Ah, tu me plais. De rien, de rien. Le plaisir était pour moi, cher maître d'équipage. Votre grandeur d'âme se rapporte à votre sagacité. Sans mentir, vous êtes le phénix des hôtes de ces lieux. Incidemment, je n'ai plus besoin de votre aide. Mais notre bon Mister Navigateur rencontre quelque embarras. Notre système de guidage est à l'agonie, si j'ai bien saisi. Ce n'est déjà fait, allez lui parler. Bon vent. Merci, mon ami. Merci. Ah, il me plaît. Putain, il me plaît, mais alors... Je l'aime celui-là. Hein. C'est du léchage, tout ce... c'est limite, limite vulgaire tellement il me lèche bien, mais j'aime, hein, j'avoue. Je défends le Constitution. Maintenant, tirez raison ce que vous voulez en tirer, chers amis. Hein. Allons-y. Mister Navigateur. Franchement, je les aime tous là pour l'instant. Les trois que j'ai vus là, je les kiffe. Avoir tiré au canon sur des pillards, je kiffe aussi. Ah non, 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 il y a de l'amour là, chers amis. Là. Alors, c'était par où déjà? Oui. Peut-être me falloir une armure assistée. Hein. Hop. C'est pas par là. Oui, exact, c'est par là. Ah, mon ami. Bienvenue à bord, soldat. Merci. Menace éliminée. Rapport d'avarie en attente. C'est une idée encore des tâches prioritaires à accomplir. Bonne défense. Orias, cet équipage de robots. Proclamation 1. Protéger le Constitution par tous les moyens nécessaires. Système de guidage désactivé. Erreur multiple détectée. Erreur numéro 1. Puce de guidage volée. Cette unité demande sa récupération. Je peux t'aider. Où est-elle? Volée par des pilleurs d'épaves humains. Récupérez la puce dans le poste de reconnaissance avancé des pilleurs d'épaves. Le capitaine a autorisé le versement d'une prime pour cette mission. L'emploi de la force létale est uniquement autorisé en cas de nécessité absolue. D'accord. Canot de poupe déverrouillé et à votre disposition, monsieur. Vendu. Tu permets, je descends. On y va. Quand faut y aller, faut y aller. Alors les mecs, on a pris cher? Un gros coup de canon dans le nez, ça fait mal? Oui, j'en ai rien à foutre, je l'avoue. Ah. Yo. Ah, je comprends mieux. Tirez pas! On n'a jamais demandé à ces connards d'attaquer le bateau. Et de toute façon, c'est pas vous qui voulez flinguer. C'est ces putains de robots. J'ai failli me faire tuer. Failli me tuer. On a dit à ces connards de pas attaquer, ok? C'est pas de notre faute. Quand ils ont vu quelqu'un monter sur le Constitution, ils sont devenus dingues. Vous étiez vraiment à bord, alors? Comment vous avez fait? On a cru que vous alliez vous faire atomiser sur place. Je suis soldat. Il savait que j'avais servi dans l'armée, alors. Il m'a dit de monter à bord. L'armée? C'est pas un vieux truc de l'ancien monde, ça? Enfin, bref, on s'en fout. Vous avez vu l'intérieur, alors? Non. Tout ce matos à récupérer. C'est un putain de trésor qui demande qu'à être revendu au plus offrant. Si vous le dites. Vous le dites. Vous avez parlé avec la boîte de conserve en chef, alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Ironsides a dit que vous aviez volé une puce de guidage, et il veut la récupérer. Sa puce de guidage, bien sûr. Vous savez pourquoi il en a besoin? Pour ses fusées. Les putains de gros réacteurs sur les côtés de son bateau. Il est dingo. Et alors? Il a une bonne raison? Je pense qu'il a une bonne raison de vouloir la récupérer. Vous voulez vraiment aider ce résidu de grippe? Envoyez ce robot se faire foutre et bosser avec nous. On a encore un paquet de gars qui traînent dans le coin. On finira bien par avoir le dessus un jour ou l'autre. T'as vu comment tu me parles? Tu nous fais des cachotteries, Davis. T'as trouvé un moyen d'atterrir là-haut comme par magie. Ce type,
C'est notre seul billet pour monter à bord, alors ferme-la. Non. Aidez-nous à détruire cette boîte de conserve, une bonne fois pour toutes. Non. J'ai des... Non, j'ai... merci. Je me range du côté d'Ironside. Alors allez vous faire voir, tête de nœud. Vous avez de la chance qu'on vous flingue pas direct. Ce serait mieux pour tout le monde que vous vous cassiez d'ici. Non. Tu me donneras pas d'or. Payer. Ces petites têtes sont sous notre protection. Je vais lui reparler une dernière fois. Hey, Mandy. Tant pis pour votre gueule, c'était l'affaire du siècle. Excusez-moi. J'ai pas de temps à perdre avec des tâches dans votre genre. Merde, une tâche. Dégage. J'ai été poli, j'ai demandé. Oh la vache. Ils m'ont fait vachement mal. Une demande contenant un jeu unique auquel vous pouvez jouer sur votre pipe à n'importe quel moment. Ah, on pourrait aller faire ça au TNC4. Bon, c'est pas grave. J'ai récupéré une épée tout à l'heure. C'est tout ce que t'as. Tu vas me le payer. Hop. Merde. J'ai quelque chose de cassé. Hop. Hop, dégage. Quelqu'un d'autre veut négocier? Je peux pas lui découper là. Non. J'aurais ramené ta tête à Iron. Établi d'armes. Établi d'armes, on peut peut-être aller voir ce qu'on peut y faire cette putain d'épée. Électrifié, module étourdissement. Ouais. Ouais, bon bah je le ferai alors le moment venu. C'est dommage, je m'attendais à beaucoup mieux. J'espère qu'ils vont nous rajouter des épées avec des mods et que... Hop, parfait. L'emploi de la force était nécessaire. Quiconque en doutera subira mon courroux. Détection. Poste d'observation. Mister poste d'observation. C'est cool. Non mais oh. Je suis désolé hein. Tu me respecteras et tu respecteras les robots. Alors. Hop. Ah oui, je peux pas. Merde. C'est peut-être le seul détail pas intéressant de cet endroit, c'est qu'il faille sortir complètement, rentrer dedans pour ressortir, pour tout traverser en fait, vous voyez. Faut vraiment tout retraverser. Hop. La porte. Ah non. Je suis désolé, moi quand on me parle bien, déjà de base, j'apprécie une personne qui parle bien. C'est pas parce qu'on est avec un inconnu qu'on doit manquer de respect. C'est même une raison supplémentaire pour ne pas en manquer. Adressez-vous à Mister Maître d'équipage et Mister Navigateur. Ah oui, non, faut que j'installe là. Crac. Je défends le Constitution. Salut, Mister Navigateur. Bienvenue à bord, soldat. Puce récupérée. Versement de la prime. Diagnostic, une erreur détectée. Émetteur du radar de guidage non fonctionnel. Merde. Remplacement requis. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de t'aider. Le plaisir du soldat est sans intérêt. Oh. Mission. Bon, c'est un vrai soldat. Aux coordonnées géographiques spécifiées. Une prime supplémentaire sera versée après la réussite de la mission, monsieur. En patrouille.
Par contre, j'ai un problème au niveau de la musique. Hop, on recharge. Réparer ou remplacer. Ah, réparer ou remplacer. Ah, j'ai encore des... Ah, je peux pas. Je peux pas le réparer. Vraiment dommage. Alors. Rien à signer. Où sommes-nous censés aller ? Oh. Bah écoutez, on va se rendre ici. Hop, et on va s'y rendre à pied. Je pense que je garderai l'épée. L'épée me semble assez sympathique. Elle fait mal en tout cas. Faudra que j'améliore mes dégâts au corps à corps aussi, du coup. C'est vrai qu'au niveau de la force de base, je suis pas top, top, top. Je vais pas rester là, sinon je vais me faire agresser. C'est censé être par où? Oui, exact. Alors j'aurais aimé éviter de passer trop près du... du truc là-bas. Putain, y'en a. Merde. Ça repop. Putain de tic. Non. Hop. Mais putain, venez. Non. Comment j'ai fait ça? Mais putain, mais attaque. Mais putain. Mais non, mais dégage. Gah. Bourrage. Putain. Dégage. Saleté. Je déteste ces foutus tics. Tu me diras, c'est comme les vrais, elles ont une box de merde, une hitbox de merde, et du coup on n'arrive pas à les buter. Par contre... Oh non. Oh putain, ils ont repop aussi. Merde. Et voilà. Viens voir un peu par ici, j'ai un cadeau pour toi. Ils m'ont vu. Merde. Et boum! Voilà. C'est fait. Ça aussi. Putain, c'est lui là-bas qui me tire dessus. Oh la vache. What? Voilà. Ça va aller, Kanigou, t'inquiète pas. Je suis là, ça va aller. Tu te remets? Parfait. On y retourne. Oh, j'aime pas cet endroit.
C'est un super mutant, on est d'accord. Ça a bougé en tout cas. Vous avez vu là-bas ? Ils ont rien vu, rien entendu. Ils ont des Stealth Boys, ou quoi ? Doucement. Doucement, Canigou. Comment ils ont-ils pu... j'ai pas envie de dire corrompre, mais presque les tourelles. Les mettre de leur côté. Signal de détresse trouvé. Hop. Ah, j'aurais juré en avoir vu un ici. Ah. Eh, qu'est-ce que je disais ? Ça doit être son chien, capitaine du rite. Peut pas être tout seul. Je vois rien, mais il y a quelque chose tout près. Quelque chose tout près et qui me perçoit. Ce que je n'apprécie pas du tout. Oh putain. Tu m'étonnes que le mec il bougeait plus. Oh! Oh, intéressant, ouais. Ça, je prends. J'avais remarqué qu'il avait eu une couleur bizarre, mais j'avais même pas fait gaffe que je l'avais tué d'un seul coup, ce légendaire. Par contre, il y a clairement autre chose avec lui. Autre chose qui m'a repéré à plusieurs reprises. Et ce, à longue distance. Vous voyez ? Hop. Pourquoi plus ? Ah putain. Vas-y. Boum. Quoi ?
Voilà. Merde, ils sont nombreux en plus. Grenade. Putain. Ils font mal, hein. Putain. Putain, mais il fait mal. What? Hop. Où est-ce qu'il est, mon... Aïe. Ah bah ok. En plus, j'ai pas sauvegardé depuis longtemps, je présume. Ouais, j'ai été trop con. Bon bah écoutez, on va avancer, c'est pas grave. Il y a un camp de super mutants autour. C'est bon à savoir. Oh la gueule. La gueule, la gueule, la gueule. Allez. Tourelle MK2. Voilà. On va pas aller le voir, le légendaire, c'est pas grave. Par contre, eux... Eux et leur toutou. Où sont-ils? Putain, j'en vois un. Hop. Ok. 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 Putain, la grenade. Ok. Casse-toi. Danger, donc il y en a encore. Il y en a encore. Putain. Je vois pas, hein. Ah putain, si. Hop. Où sont les autres? Merde. Tu te lances, tu translaterais pas. What? Hammer. What? Oh putain, il commence à bien viser en plus le sac. Hop. Touché. Bien joué. Mon bras. Putain.
Ah bla, bien joué, bien joué, bien joué. C'est quand la dernière fois que je l'ai sauvegardé à tous les coups? Y'a une chaille. Putain, mais pourquoi je te regarde pas plus que ça? Nom de Dieu. Le pire, c'est que j'y arrive. Blablabla. Bon. On y retourne. Ah oui, en plus, c'est juste là. Oui, d'accord, j'ai vraiment... chier dans la colle. Hop, F5. Ça fait une petite ici. Ok, il s'est passé un truc là-bas. Ok, il m'a pas vu. Merde, il s'attaque à Canigou. Quoi? Oh, puis tous ses potes me voient maintenant. Hop. Et où il est? Hop. Ok. Sauvegarde rapide. On va monter sur la maison. Hop, re-sauvegarde rapide. Normalement, ils ont beaucoup plus de chiens. Remonte. Ok, F5. Oh, putain. Ok, rien vu, rien entendu. J'estime que je peux pas être mieux planqué, hein. Oh, t'es sérieux? On reprend. On va d'abord attendre que celui-là y passe. Ok. Ensuite. Apparemment, il y en a un qui m'a repéré.
On sait pas trop ni quand ni comment il m'a repéré, mais il m'a repéré. Il me verrait encore apparemment. Ou il me sentirait encore, je sais pas. Parce que peut-être que je pue. C'est aussi possible. Hein. C'est une des nombreuses possibilités. Oh putain. Hop. Hop, en douceur, hein. Faudra bien que tu te montres tôt ou tard. Je m'en doutais. Je vais pas tarder à Et il translate. Alors. Viens voir un peu par ici. J'ai un cadeau pour toi. Ah, apparemment il m'a repéré. Allez savoir comment. Celui-là d'abord. Hop, attention aux grenades. Hop, on sort ça. F5. Le jeu me considère peut-être comme étant dans la maison en fait. Le problème c'est que si je tire de là... Bah alors ? Les humains sont proches. Ah merde. Lâche-moi. Raté. Yo ! Bah alors, je pensais que c'était trop dur à battre. Bah allez, venez. Hop, et de 1. Couché. Kenigou a trouvé quelque chose. Je suis Kenigou. Vas-y. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Rien du tout. Ok, vas-y. Bunker de jardin. Éventreur ! Wouah ! On en a enfin trouvé un. Apparemment, je suis encore en danger. Parce qu'il y a ou il y aurait. Un trou du cul ici. Trou du cul que je ne suis pas à même de fouiller si ça y est. Ok. Je suis encore en danger. Parce qu'il y a un trou du cul là-bas. Qui est dans la maison. Voilà. Et je ne suis plus en danger.
Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode qui était incroyablement long. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Pérou, dont vous faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire gamesummit.com qui m'a gracieusement fait le jeu. Ainsi que Fallout, Mad Max du coup, et Star Wars. Donc encore une fois, merci à eux et merci à vous pour votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.